J'ai fait une vidéo l'autre jour. Mon Kodiak 350. Le carburateur, le jet est bouché. Là, c'est pas normal que les cochonneries passent dans la ligne à gaz, ok? Le filtreur. T'as deux filtreurs. Un pour la réserve, puis un pour la ligne à gaz ordinaire. Mais ici, on voit que le filtreur de gauche, il est cassé. Le filtreur est dans la tank, c'est comme un petit ami, là. Fait que là, je vais pas changer ma tank à gaz, on va s'entendre. Donc, j'ai acheté un filtreur comme ça, compatible avec deux grosseurs de hausse sur Amazon. Là, un quart, puis celle-là, je me souviens plus la grosseur. Mais je sais que c'est gros. Peut-être 5-16, là. Mais peu importe. Là, dans le fond, j'ai juste coupé le bout. Puis, je l'ai chauffé avec un lighter pour faire comme un petit bourrelet, là. Puis, on veut pas que ça débarque, hein. Là, ben, ça vient avec les petites serres comme ça. Puis, t'as la ligne à gaz d'origine. Bon, je me suis posé une petite lumière qu'on voit mieux. Fait que t'as la ligne à gaz d'origine qui est là. Là, je figure mon filtreur. Tu vois. Ici. Je vais couper ma hausse là, puis là. Ah, elle était déjà coupée. Bon, donc là, je vais la recouper là. Ça va être parfait. Voici le résultat. Je l'ai enlevé d'en haut, là. Mais c'est facile à remettre. Bon, voilà. Et voilà le travail.